Coucou, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Moi ça va nickel, désolée le temps de me réhabituer à la voix douce, ça va peut-être être un peu fort au début. Je vous retrouve pour une vidéo haul AliExpress car on me l'avait demandé et j'ai des petites pépites à vous montrer. Voilà. Donc tout ça on va tous pour changer un peu et satisfaire tout le monde. Donc j'espère que cela vous plaira. Je vais comme d'habitude vous mettre les liens des articles dans la barre d'infos pour que vous puissiez commander également. Alors pour commencer je voulais vous montrer ces petits pencils. C'est un petit peu inutile, mais je trouvais que le son était agréable. Et elles sont trop belles car elles sont pailletées. En fait, c'est tout simplement pour peigner les extensions de cils. Ou vos cils, tout simplement. Et j'en avais plus. Donc, je voulais en commander plusieurs pour être tranquille. Mais je pense que je vais en donner pas mal à l'esthéticienne qui me fait les cils. Ça lui servira plus qu'à moi. Mais c'était vraiment pas cher, donc j'ai dit je vais prendre un lot. Ça m'en fera pour un moment. Je vous ai surtout montré cet article pour le son, hein, clairement. Car je pense pas que ça servira à grand monde, à part peut-être celles qui font les cils et aussi les esthéticiennes qui je sais pas comment on appelle ça, celles qui posent des extensions de cils. Voilà. Je vais essayer pour une fois de vous faire un petit peu de déclencheur parce que je suis quelqu'un dans la ASMR qui chuchote et parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'au niveau des déclencheurs, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas très douée, je trouve. Mais bon, je vais tout de suite vous montrer mon achat dont je suis le plus ravie. C'est le faux Dyson Air Wrap. Je sais pas trop comment on dit. Enfin, le faux. L'imitation. AliExpress. Alors, je l'ai déjà ouvert. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc en fait il y a le petit séchoir tout en haut. Vous savez, pour sécher les cheveux ou les racines. Ça c'est l'appareil en fait qui chauffe pour mettre les embouts dessus. Donc il y a deux brosses chauffantes et les deux embouts ici c'est pour les boucles. Alors avant qu'on me dise que ça ne fonctionne pas aussi bien que le vrai, je vous assure que j'ai testé et que c'est incroyable. Alors aujourd'hui les boucles là ce n'est pas du tout ça, c'est vous savez les trois plaques comme ça pour faire ce style de boucle. Mais j'ai testé le Dyson en boucle il y a une semaine je crois. C'est vraiment incroyable le résultat. Je suis trop contente et il faut savoir que le vrai Dyson coûte 500 ou 600 euros, je ne sais plus. Et celui-ci, je l'ai payé 39, je crois. Donc c'est vraiment dérisoire. Alors par contre, la dernière fois que j'ai été voir, mon lien était mort. Mais j'ai une copine qui en a retrouvé un. Donc je vais essayer de vous envoyer le sien, enfin de vous mettre le sien. Comme lien, mais je pense qu'ils vont en refaire. Voilà, j'en suis trop contente. Si vous voulez être sûr, il y a des vidéos YouTube de tests avec le vrai Dyson et le Dyson d'AliExpress pour vous montrer vraiment la différence de résultats. Et il y a une vidéo où on voit clairement que le rendu est le même. C'est assez incroyable. Donc je suis trop contente de mon achat. Voilà.
N'hésitez pas à foncer si vous aviez un doute. Ensuite, j'ai redécouvert une petite mode de l'époque. Enfin, de l'époque où moi j'étais jeune. Les raccous avec des fleurs. Et ça j'aimais trop. Mais j'avais l'impression que c'était un peu passé de mode. Je me suis dit pourquoi pas retenter. Et dernièrement, je les ai portés en soirée et ça a rendu super joli. Donc il y a celui-ci. Celui-ci. Petit raccourci noir avec cette petite fleur. Celui-ci. Alors en fait, il se passe autour du cou. Et sur le côté, vous pouvez faire une petite boucle qui tombe. Ça rend super bien. Il est beaucoup plus gros, comme vous pouvez voir. Mais j'en suis trop contente. J'en profite pour vous dire, vous vous souvenez de la robe blanche que je vous avais présentée dans le haul shame. C'est celle que je porte actuellement, j'aime trop. Excusez-moi, il y aura pas mal de bruit environnant. J'ai un aéroport près de chez moi et il y a énormément d'avions aujourd'hui. Du coup, je vais pas faire que d'attendre que ça passe. Sinon, je n'aurai jamais assez de place pour que ma vidéo s'enregistre. Les deux bagues que j'ai actuellement sur moi également viennent de chez AliExpress. Mais je crois que je vous les avais déjà présentées. Je les mets tout le temps, tous les jours. C'est vraiment mes bagues. Je les aime trop. Je suis désolée, il y a un passage monstre d'avion et de voiture aujourd'hui. C'est horrible. Je vais quand même faire la vidéo, sinon j'aurai pas le temps de la faire cette semaine. Mais il va y avoir plein de bruit environnant. Je peux rien faire, je suis désolée. Et pour finir dans les colliers, ce petit collier, petit nœud, un raccou également. Trop mignon. Je l'aime trop, il rend trop beau. Je l'ai porté également ce week-end, celui-ci. Tout le monde m'a dit que ça rendait. Donc voilà, les trois petits colliers de chez AliExpress. On va maintenant passer aux boucles d'oreilles. J'en ai commandé trois paires. Donc il y a celles-ci. Elles sont magnifiques. J'en suis trop contente. Je les ai pas encore portées par contre. Je pense les mettre ce week-end. Mais rien que comme ça, elles rendent super bien. Je vous dis pas les prix dans la vidéo. Quand vous cliquerez sur le lien, vous aurez directement les prix. Après, ça reste AliExpress, hein, très correct au niveau des prix. Malgré que je trouve que ça a augmenté dernièrement. Surtout la livraison, quoi. Ensuite, celle-ci. Il me semble que je vous les avais déjà montrées, car je les ai déjà commandées. Mais j'en ai cassé une, donc j'ai refait la même commande. Elles sont trop mignonnes. Des petits nœuds. Et enfin mes préférées, celles-ci qui sont magnifiques. On dirait vraiment des boucles d'oreilles de qualité, je trouve. Alors que bon voilà, mais vous avez vu les brillants comment ils ressortent. Ça rend mais trop beau. Je veux dire là je peux pas vous mentir, on les voit scintiller.
Après, c'est des boucles d'oreilles que je mettrai un peu plus pour des occasions, je pense. Car c'est tout de suite énormément voyant. Je voulais également vous montrer cette petite loupette. Désolée, elle vient juste d'être nettoyée, donc elle est un peu humide. C'est pour mettre la poudre. Donc j'applique ma poudre Huda Beauty avec. Donc vous voyez ici, c'est très pratique pour justement le coin sous les yeux. Et j'en ai commandé qu'une. Mais je vais en recommander parce qu'elles sont vraiment super top. Je viens de recevoir aujourd'hui ces petites bandes. Alors, il y a déjà la cire intégrée. En fait, si vous voulez... Moi je les utilise, enfin je vais les utiliser pour cette zone là. Car jusqu'ici je faisais chauffer mon pot de cire. J'utilisais une spatule. C'était énormément de temps pour des petites zones. Donc je me suis dit je vais essayer de tenter ça. Honnêtement j'ai pas testé vu que je viens de les recevoir. Mais je trouve que ça a l'air bien. Puis il y avait des avis positifs. Dedans j'ai pas mal de bandes, puis c'est surtout au niveau du gain de temps, ça va être assez assez cool de ne pas prendre 3 heures juste pour s'épiler cette zone. Donc voilà, et j'essaierai de me faire l'intersourcilier avec en essayant de pas faire n'importe quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ces bracelets-là. Alors, je les avais déjà commandés également. Mais pareil, le petit serpent s'est cassé. Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Ça reste un petit peu de la qualité médiocre. Mais je trouve que ça a son effet. À la base, quand je les ai portés, ma cousine m'a dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, tes bracelets !» Et effectivement, ça... Ça rend super bien. C'est les deux ensemble hein, pour mettre côte à côte. Poignée. Ensuite, rien à voir. J'ai commandé des pochettes pour mes papiers. D'ailleurs, je suis en vacances. Ce serait pas mal que je le fasse, mais j'ai pas du tout eu le temps pour le moment. Donc, j'en ai pris des roses et des bleus. Là, je vous en ai pris qu'une de chaque pour vous montrer, mais j'en ai pris plusieurs. J'ai également commandé des étiquettes. J'ai pas pris le rouleau, enfin vous tapez étiquette sur Ali, vous les trouvez. Comme ça, sur chaque pochette, je marquerai le thème de la pochette, quoi. Banque ou fiche de paye, etc. Et du coup, ce sera mieux organisé. Je trouve qu'elles sont pas mal pour le coup. Donc je disais, il faudrait que je m'y mette. Mais bon, si c'est pas pendant mes vacances, ce sera après, c'est pas pressé. Ça reste que du rangement, donc voilà. J'ai été à Bordeaux ce week-end et je me suis vraiment beaucoup amusée. A été entre filles, entre 4 filles. Donc week-end shopping, sortie, restaurant. Et c'était super bien. Donc ceux qui sont encore réticents à passer un week-end à Bordeaux, en tout cas pour s'amuser, et bien c'était génial. Je vous raconte un peu ma vie, mais voilà. Du coup, bah, vu que je suis partie à Bordeaux ce week-end, ma semaine de vacances, ça va être du repos. Bien sûr, voir mes amis, ma famille, mais je ne repars pas. Alors, c'est pas évident à vous montrer ce que je vais vous montrer maintenant. Mais en gros, c'est une petite guirlande lumineuse avec des plumes. C'est pour mettre autour de ma coiffeuse.
dans ma chambre car j'ai un lustre en plume, donc ça rappelait un petit peu le lustre. Elle est toute petite, j'ai fait exprès pour pas qu'elle traîne. Mais dans le lien, vous pouvez choisir la longueur de la guirlande. Ils la font en plusieurs longueurs. Voilà. J'ai également commandé sur Ali une sorte de petite étagère à roulettes pour la salle de bain pour poser les produits que j'ai mis à côté de ma coiffeuse dans ma chambre. Je vous la montre pas là, ça fait énormément de bruit, de place, donc ça sert à rien. Mais j'en suis contente aussi. J'ai rangé mes produits skincare, petits pinceaux, tout ça comme ça. Quand je fais ma skincare, j'ai juste à aller chercher mes produits. Car dans ma salle de bain, ça commence à être un peu plein. Il me fallait un petit meuble en plus. Voilà. J'ai également commandé des petits ustensiles de cuisine que je ne vais pas vous montrer. Je pense que c'est pas compliqué d'en trouver sur Ali. Quand vous cherchez quelque chose en particulier, spatule ou autre, voilà, vous faites dans la recherche. C'était vraiment pour vous montrer des petites choses que j'ai, surtout le Dyson pour le coup. Et j'en profite aussi, je sais pas si je vous l'avais dit, un peu avant Noël, même bien avant, j'avais commandé le kit pour faire les ongles en gel sur AliExpress, le grand kit. En plus, j'avais eu 20%, ça m'avait vraiment pas fait cher. Je crois que je l'avais payé 60€. Avec les 20%, il devait être à 80 à la base, quelque chose comme ça. Pareil, j'en suis très contente, je fais mes pieds avec. Puisque, comme vous le savez, mes mains, je les fais chez l'esthéticien. Mais vous voyez, j'avais perdu un petit strass la semaine dernière. Et avec mon kit, j'ai pu le refaire. J'avais les mêmes, donc voilà. Puis je vous dis, c'est vraiment complet, il y a tout et ça marche vraiment bien. Et du coup, je l'avais pris à Noël pour ma meilleure amie. Je crois qu'elle en est contente aussi. Je vous assure, c'est une galère sans nom de tourner cette vidéo. Il y a un avion qui passe à peu près toutes les 1 minute. C'est horrible, je sais pas comment je vais faire au montage. Me blâmez pas, s'il vous plaît. Ça va être une cata. Mais bon, au moins je retourne une vidéo, donc soyez mignons. Voilà, j'ai une dernière petite chose à vous montrer. Pour le coup, c'est de la cuisine, mais en fait, quand je vivais avec mon copain, il avait cette poêle qu'il avait achetée sur Amazon et pour faire des œufs du coup. Et ça fait bien la forme de l'œuf, c'est hyper pratique, surtout pour les brunchs, tout ça. Puis c'est vrai qu'à la poêle, l'œuf il s'étale, enfin c'est compliqué je trouve. Là, ça fait des œufs nickel. Et du coup, j'ai voulu la recommander et elle était sur AliExpress à bien moins cher. Et c'est exactement la même. Donc voilà, vraiment si vous êtes adepte de brunch ou même d'œuf tout simplement, elle est incroyable cette poêle. C'est pour les feux à induction, tout ça, vous savez. Maintenant, on est à peu près tous à avoir ça. Voilà. Je voulais vous la montrer parce que c'est vrai qu'elle me fait gagner du temps. Et elle est très très pratique, cette poêle. Voilà, donc je suis déjà à 24 minutes de vidéo. Même si je pense qu'avec le montage, il va pas en rester beaucoup. Mais voilà, je pense que poster quand même parce que ça fait longtemps que je voulais tourner, j'ai pris le temps de le faire. Ce serait dommage de ne pas poster la vidéo. Je rigole parce que là, il y a des gens qui parlent dans ma rue. Bon, on va arrêter le carnage. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et pour ceux qui sont adeptes de ma voix douce, j'espère que vous êtes contents. Je vous fais des gros 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 bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.